Seigneur, t'établisse au-dessus de tes ennemis. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Et sera mi morevo, me lo sere. Et sera mi morevo, je lo sere. Sera mi morevo, j'avoue me. Connectons-nous massivement et partageons la vidéo, s'il vous plaît. Pendant que nous écoutons cette adoration, connectons-nous massivement et partageons la vidéo. Invitons tout le monde, s'il vous plaît. Connectons-nous massivement, partageons cette vidéo jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant que tu écoutes cette adoration, la main de Dieu te localise. Quel que soit ton problème ce matin, le Seigneur te visite. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Jésus revient. Pense qu'un jour tu t'en iras et tu vas laisser la terre pour retourner vers ton père. Et tu quitteras, oh, hallelujah, Garota, ta belle maison, ta belle voiture, tes amis.
tes amis, tes parents. En ce jour, tu seras seul. Devant le tribunal du Seigneur, tu répondras à ces questions. Il n'y aura plus de mari. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt pour l'accueillir? Jésus revient. Jésus revient. Il va revenir. Jésus revient. Nous l'attendons, nous l'attendons, nous l'attendons. Reviens. Bonne arrivée à ma fille Séverine Bollet, Sandrine Minjeme, Tino Sakpi. Jésus revient. Bonjour à Aline Moni Dubois. Waouh. Bonjour à mon fils prophète général de Jésus. Bonjour à Valas. Waouh. Un jour c'est beau corps. Ah, un jour c'est beau corps. Sera le repas. Et alors tu m'en iras vers le chemin de la terre, vers le chemin de la terre, et tu ne reviendras plus. Ah, ce sera ton dernier voyage. Tous ceux qui se connectent à ce direct, Dieu bénira ton année 2022. Tous ceux qui se connectent, connecte-toi, partage pour recevoir ta bénédiction. Tu en as besoin pour 2022. Et ta femme ne sera plus. Tes voitures, tes belles maisons, ah. Tout sera passé. Mais Jésus revient. Jésus revient. S'il te plaît, si tu aimes quelqu'un, envoie cette vidéo, dis à la personne de se connecter. Tout plan de l'ennemi contre ton année 2022, nous allons détruire ça ce matin. Donc si tu aimes quelqu'un, tu as tes enfants, tes amis, ton mari, ta femme, tes connaissances dans le monde entier, partage la vidéo. Partage-leur la vidéo, envoie la vidéo. C'est un cadeau de fin d'année, le plus beau. La délivrance des chaînes et de l'emprise de Satan. Voilà. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui vont se connecter. Quels que soient les plans, les projets de Satan contre ton année 2022, je m'oppose à ces projets et je les détruis. Tous ceux qui sont connectés, juste à cause de ta connexion déjà, ça va. 50% de tes problèmes sont déjà résolus. Ça, je te l'assure, je le dis en toute vérité. 50%, sois tranquille. 50%, et pendant que tu partages, plus la grâce de Dieu se déverse dans ta vie. C'est une parole prophétique pour ta vie. Plus tu partages, plus le Seigneur est en train de niveler le sentier de ta vie, de redresser les chemins tortueux que le diable avait déjà préconisé pour ton année 2022. Donc, bien aimé, c'est un direct extraordinaire, c'est un direct prophétique pour apporter la délivrance et la restauration. Si tu crois, il dit, oh, décoménon prophétène, eis onoma prophétou, miston prophétou, lemsetai. Et j'ai expliqué ça plusieurs fois. La loi du haut décoménon. Il dit, oh, décoménon prophétou, eis onoma prophétou, miston prophétou, lemsetai. Donc, je voudrais quelqu'un ce matin qui dit, Seigneur, je crois, je sais, je suis convaincu que c'est ton nom. Et comme il parle, parce que je le vois, parce que je le regarde, parce que je l'écoute, je sais que les murailles bâties contre mon année 2022 sont renversés. Est-ce que quelqu'un a cette foi? Ce matin, tu écris seulement « Amen » et la chose va s'accomplir. Quelles que soient les forteresses, quels que soient les projets du diable contre ton année 2022, je déclare au nom précieux de Jésus-Christ que ces projets-là sont détruits, ces projets sont anéantis, ces projets sont annulés. Le diable va retourner en enfer. Voyez? Je vais vous parler de quelqu'un de très dangereux. Hein? Abaddon, Abaddon. Agelos Abusu, la Bible parle de l'ange de l'abîme. Abaddon, l'ange de l'abîme. On va s'attaquer à ce qui s'est attaqué à toi. On va détruire ce qui t'a détruit. Donc le direct, si tu es en train de conduire, tu te gares. Vaut mieux
une heure dans sa présence et avoir un retard d'une heure dans ton programme et voir toute ta vie être bénie. C'est ça, recevoir un prophète en qualité de prophète. Quelles que soient les malédictions, quels que soient les blocages, on t'a attaché spirituellement. Il y a des gens, j'ai reçu beaucoup de mes enfants venant de l'Europe, et qui ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça dit que tout ce que tu entreprends, c'est bloqué. À gauche, c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Devant, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. J'ai besoin de gens comme ça pendant ce direct. C'est de telles personnes, c'est de telles personnes dont je suis en train de parler. Tes enfants, quand tu regardes leur vie ne ressemble à rien. Mes amis, il y a une récompense pour le juste. Juste à cause des mégas que tu es en train de dépenser pour te connecter à ce direct. Ton année 2022 sera le début de la réjouissance dans ta vie. Je suis ici pour prophétiser sur quelqu'un. Je veux juste prophétiser sur ta vie. Je veux prophétiser contre les prophéties maléfiques de ta vie. Tout ce qui était dit contre toi, dès le sein de ta mère jusqu'à cet âge-ci, j'annule ça dans le nom de Jésus. Si tu dis amen, la chose arrive. Les sorciers auront chaud. Je vous dis la vérité, les sorciers auront chaud. Toute pratique, toute malédiction contre ta vie, nous allons annuler cela, c'est fini. Les montagnes dressées, les forteresses, les autorités, les dominations dressées contre nous, ça ne peut pas marcher. Si ça prospérait hier, ça ne va pas prospérer aujourd'hui. Je vais prendre ça après. Merci beaucoup. Si ça prospérait hier, aujourd'hui, ce n'est plus possible, mes amis. Il y a des gens que si ils entrent dans ta vie, mais ta vie est délivrée, ta vie est bénie, ta vie est restaurée. Allez leur dire que vous êtes connectés à mon direct et que j'ai dit par l'Éternel que les portes antiques, les portes millénaires, les portes centenaires qui ont été bloquées, je veux voir qui va encore tenter de bloquer ça. Que la personne se lève dans ton village et dise que, oh, elle ne va plus se marier, oh, il ne sera rien, oh, ses enfants, la personne, si la personne voit le 1er janvier 2022, c'est que Dieu m'a pas appelé. Quiconque cherche ta mort va mourir avant toi. Tu vas assister à ses obsèques. Ça, je le déclare. Quiconque prend ton nom, prend quelque chose qui t'appartient pour amener cela dans une maison, dans une case, mettre ça dans une calebasse. Les gens peuvent se souvenir à l'époque, en 2014, je crois bien, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai évoqué ça à l'église dernièrement. En 2014, une jeune femme est arrivée, elle s'est assise sur ma chaise à l'église le samedi. Le dimanche, quand j'arrive, mes fils me disent, papa, ne vous asseyez pas sur votre chaise. Et je demande pourquoi. Et ils me disent que non, il y a une fille là, la fille ici, s'est assise sur votre chaise. Nous l'avons arrêtée. Nous lui avons demandé pourquoi elle s'est assise sur votre chaise. Elle nous a dit clairement que toute la nuit de vendredi, on l'a préparée dans la sorcellerie. Il y a eu une grande cérémonie. Et on l'a chargée des esprits, des démons, des puissants, des ténèbres. Et on lui a dit, dès que tu t'assois sur sa chaise, quand il va s'asseoir, il va mourir. Il ne va plus se relever. Et je voulais aller vers la chaise. Les enfants m'ont arrêté. Non, papa, pardon. Je vais seulement te dire que la sorcellerie est réelle. Et tous ceux qui souffrent de sorcellerie, s'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi, on a fait une pratique de sorcellerie contre vous. Dites-moi, je vais annuler ça. Le Seigneur va te délivrer. La personne qui t'a lancé ce mauvais sort va porter la peine de son péché. L'apôtre Paul a dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Le temps où l'affliction doit te quitter pour rentrer sur celui qui t'a affligé est arrivé. On n'est pas allé chercher quelqu'un. Je te dis la vérité. Si tu crois au prophète, tu crois en mon ministère. Je parle étant chargé, survolté, surchargé. Par l'onction de Dieu dans ma vie, je secoue tout mon manteau prophétique sur toi, sur ta maison et sur ta famille. Et je déclare que tout ce que l'on a dit sur toi de mal ne s'accomplira plus dans ta vie. Peut-être que tu en as souffert. Ça ne continuera pas comme ça. Il faut bien que quelqu'un se lève de la part de l'Éternel des armées, un homme, un prophète dans ta vie pour mettre fin au règne de la terreur, pour mettre fin à la puissance de la domination de Satan et de la sorcellerie dans ta vie. De la jeune femme, on l'a arrêtée. Et je lui ai demandé en plein culte, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'asseyes sur ma chaise? Elle a répété ça en plein culte. Elle n'a craint personne. Elle a dit, je suis en mission pour te tuer. Elle m'a dit ça. Je sais que toi aussi, il y a des gens qui sont en mission pour te tuer. Ou pour que tu ne te maries pas, ou pour que tu ne sois jamais béni, pour que ta vie ne brille pas, pour que ton étoile ne brille pas, pour que ta vie ne décolle pas. Il y a des gens comme ça en mission derrière nous. Tout le monde a des ennemis, mes amis. Tout le monde a des ennemis. Que tu le saches ou pas, que tu sois bon ou que tu sois méchant, chacun a son lot d'ennemis. Donc la jeune femme dit en pleine assemblée bien-aimée qu'elle a été mandatée pour me tuer et qu'on lui a dit que si elle ne me tue pas, elle deviendra folle ou elle va mourir.
Je lui ai dit, l'une des deux choses t'arrivera. Soit tu vas mourir, soit alors tu seras folle. Mais tu ne peux pas me tuer. Je ne peux pas mourir de la mort d'un homme. Et je vais déclarer cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne mourras pas de la mort d'un homme. La sorcellerie est une réalité. Il y a des gens qui pensent que si je vais en bain, je suis sauvé. Quand je suis en France, c'est fini. Moi, je suis épargné. Non, mes amis. J'ai quelqu'un qui me racontait l'autre jour qu'il a dans leur famille quelqu'un, un jeune homme qui pratique la sorcellerie. Et puis, et comme ils avaient peur, ils ont fui le village pour aller à Douala. Et un jour, le gars appelle au téléphone et dit que mais, je veux venir chez toi. Et le jeune homme me dit qu'il a répondu à son cousin que non, je ne veux pas. Je ne veux pas te recevoir. Mais son cousin lui a dit que tu penses que comme tu es à Douala, ou c'était Douala ou Yaoundé, tu penses que tu es loin. Hein? Je prends ma boîte de sardines là, dans 3 secondes là, je suis chez toi là-bas. Tu penses que j'ai même besoin que tu me dises où tu habites. Non, je connais ta maison, je viens chez toi si tu veux, je viens la nuit. Et le garçon a dit non, pardon, je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas, ne tente même pas, si tu me tentes, tu vas me sentir. Et il m'a dit que papa, je disais comme ça, ayant peur, dans mon ventre. Donc la sorcellerie est une réalité, les attaques de sorcellerie sont une réalité. Les sorciers, c'est des agents de Satan, des enfants du diable, des fils du diable, envoyés en mission pour détruire le monde, comme nous sommes les fils de Dieu, envoyés dans le monde pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit, le fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Donc si tu te connais à mon direct, pour que ta vie ne change pas, ça ne vaut pas la peine. Moi-même, je casse le téléphone là, je saute ici en bas, ou je jette ça par le balcon là, ça se casse là-bas. Calas ma fille, je ne fais plus le direct, je te dérange, puis toi-même, tu ne me déranges pas. Bien-aimé, écoutez-moi bien, toute limitation dans ta vie, je la stoppe net. Toute parole qui t'a fait souffrir, depuis le sein de ta mère jusqu'à cet âge, par le manteau de Dieu dans ma vie, je défie l'homme fort de ta vie. Je défie la principauté de ta famille. Je dis que tu seras différent. Parmi les enfants de ton père, tu seras différent. Parmi les enfants de ta mère, tu seras différent. Si tu crois dans ton cœur, si tu as la foi qu'un prophète parle à ta vie, je te dis la vérité. À partir du 1er janvier 2022, tu sauras que parfois les choses que nous faisons semblent être anodines, mais qu'il y a une grande puissance, une grande quantité d'onction libérée par nos paroles. La Bible dit que par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte et par un prophète, Israël est devenu une nation. Donc la parole prophétique n'est pas seulement de te sortir de la maison de l'Égypte. L'Égypte, c'est la prison spirituelle dans laquelle tu peux être. Ça peut être sur le plan sentimental. Tes relations, c'est déception sur déception. Ça peut être sur le plan professionnel. Tu n'as pas de joie dans ta carrière, tu ne brilles pas. Ça peut être sur le plan relationnel, marital, familial, etc., etc., commercial, des affaires. Quel que soit le domaine de ta vie, ça peut être dans le ministère aussi. Vous comprenez? Mais la Bible dit que les prophètes ont été mandatés pour sortir Israël de l'Égypte. Dans la maison de la servitude, là, tu sors de là. Tu ne peux pas continuer à être esclave de l'oppression de l'ennemi pendant l'année 2022. Mais si toi-même, tu t'amuses, je dis non à ta place. Je me tiens devant le Père des esprits de prophètes. Et je lui dis, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Et parce que j'ai parlé et que tu as cru, l'impossible deviendra possible. La Bible dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Je déclare que tu sors de la servitude. Sors de cette prison. Sors. Sors de cette malédiction. Sors de cette limitation. Sors de cette vie de pauvreté, d'échec. Tu ne peux pas continuer à être un échec. Il y a des gens que Dieu a mandatés pour apporter la délivrance dans la vie de son peuple et j'en fais partie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rende témoignage de qui je suis ou de quoi je porte. Non. Dieu m'a dit en vision lorsqu'il m'appelait. Il m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Tous les jours, je me tiens devant le Père des esprits de prophètes pour dire, Seigneur, voici la promesse que tu m'as dite. Seigneur, tu as promis, veillez sur la parole qui sort de ma bouche pour apporter la délivrance à ton peuple, pour l'exécuter. Donc si je te dis, bien-aimé, que 2022 sera une année de joie pour toi, est-ce que tu vas me croire? Si je dis un célibataire, ici, et maintenant, et en direct, tu regardes droit dans les yeux, la caméra me de quel côté. Je te dis que 2022 si, ne finit pas sans que tu ne sois marié. Est-ce que tu vas me croire? Si je te dis que 2022 si, ne peut pas te laisser célibataire, vas-tu me croire? Si je te dis qu'au courant de 2022, Dieu va opérer un miracle qui va fermer la bouche de tous tes ennemis, de ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont saboulé, ceux qui t'ont houspillé, est-ce que tu vas me croire? Tu dis amen, la chose arrive. Dis juste amen dans la foi. Il dit que lorsque vous demandez chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Donc, bien-aimé, tu sors de ta prison. Sors de cette prison. Sors de cette oppression. Sors. Sors de cette misère. Tu dois sortir, même par force.
tu dois sortir. Parce que la création tout entière soupire en attendant ta révélation, mon ami. Tu as assez perdu du temps. Tu as assez perdu des années. Le temps est venu et je prie Dieu pour vous et pour moi. Chaque année que tu as perdu, chaque mois que tu as perdu, chaque semaine que le diable t'a volé, chaque journée que le diable t'a volé, chaque minute que le diable t'a volé, chaque seconde qui t'a été volée, l'Éternel, selon Joël 2, verset 25, va te restituer cela au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Il dit, je restituerai les années qu'on dévorait le Gazam, le Asile, le Djélec, la Sauterelle. Le Gazam, c'est quoi? Le Asile, c'est quoi? Le Djélec, c'est quoi? La Sauterelle, c'est quoi? C'est des puissances maléfiques qui ont pour mission de voler ton temps. Pour que le temps passe plus, l'âge est en train de passer, tu n'as rien fait. Regarde quel âge tu as. Qu'est-ce que tu as réalisé? Fais un analepse, un flashback. Regarde derrière toi. Pose-toi la question, à mon âge, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à d'autres qui ont mon âge, qui ont quand même marqué leur génération? Mon ami, tu ne peux pas mourir dans l'anonymat après ce direct. Ce n'est pas possible. C'est Dieu m'a pas appelé. Tu ne peux pas mourir comme tu es né. Tu ne peux pas mourir dans ce cas, dans cette situation. Toute personne responsable de ton malheur sur le plan spirituel, que ce soit les démons, que ce soit la sorcellerie, je te le dis en vérité, ces personnes rendront compte à Dieu pendant cette fin d'année. Tu seras une personne différente. Les gens qui pensent que c'est fini pour toi, on en a fini, on l'a déjà enterré. Même si on t'a enterré où? Même si c'est dans l'océan Atlantique, dans, je sais pas, dans l'océan Pacifique ou l'océan Indien ou dans le marigot de ton village ou dans un cimetière ou n'importe où. Tu sors de ce tombeau. Ton nom sort de ce cimetière maintenant. Ta photo sort de ce cimetière au nom souverain de Jésus. Et je mets leur photo, je prends leur photo et je mets dans ce cercueil, je mets dans ce tombeau parce qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous ont affligés. J'ai vu beaucoup de femmes et d'hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Pas parce que vraiment c'est de mauvaises personnes, de mauvais papas ou bien de mauvaises mamans, non. Mais parce que dans la sorcellerie, on a volé leur utérus. Tu vas à l'hôpital, tu fais les examens, on fouille, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On te dit qu'il y a de voir, il y a tes trompes, sont normales, hein, ton utérus est bien placé, il n'y a rien dans ton corps, mais cependant tu n'arrives pas à enfanter. Ou parfois, les sorciers peuvent aller enlever, c'est-à-dire à la place des bébés, on met les kystes, les myomes, les fibromes dans ton ventre pour que l'enfant ne puisse pas rester. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été détruites comme ça. La sorcellerie est une réalité. L'activité des démons contre les humains et surtout contre les enfants de Dieu. La Bible dit que Jésus est entré un jour dans une synagogue. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute bien, parce que la guerre a été déclenchée. Mon ami, si 2022, Dieu ne te bénit pas, je démissionne. Non, je démissionne. Je ne vais pas vendre les oiseaux à Garoua. Ça va. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne peux pas te consacrer toute ma vie pour que les gens ne soient pas sauvés, pour que les gens ne soient pas bénis. C'est pour ça que le dimanche qui est en train de venir, c'est un dimanche très dangereux pour les habitants de Yaoundé. Ceux qui seront en direct, ceux qui seront dans la salle et ceux qui seront connectés. Vous allez voir ce qui va se passer. On va rendre ministère aux gens en ligne. Je veux prier. Des miracles extraordinaires. Dieu va te sortir de ta prison. Les prisons de maladies, que ce soit les maladies curables, les maladies incurables, les maladies naturelles, les maladies mystiques. Mon ami dit, je n'entrerai pas en 2022 avec cette maladie. VIH, je n'entre pas en 2022 avec toi. Hein, hépatite, je n'entre pas en 2022 avec toi. Laisse ma vie tranquille. Libère mon corps. Si tu le dis par la foi, pendant que je parle, les maladies sortent de vos corps. Cette maladie te quitte au nom souverain de Jésus. Il y a une femme qui est en train de me suivre, Amélie. Hein, on vous appelle Amélie, votre prénom c'est Amélie. Et vous étiez avec un jeune homme qu'on appelait Christian. Et avec ce jeune homme Christian, vous avez des rapports sexuels non protégés. Vous êtes allé à l'hôpital, c'est dans une clinique précisément. Et on vous a dit que vous êtes séropositif. Et vous soupçonnez que c'est Christian qui vous l'a donné. Et c'est la vérité. Écoutez, c'est la vérité. Si vous êtes là, Amélie, s'il vous plaît, faites-moi signe. Faites-moi un message. C'est vrai qu'il y a tellement de milliers de messages. Je vais prophétiser sur vous. Passe l'annonce partout, s'il te plaît. Partage la vidéo dans le groupe, n'importe où. Je veux prophétiser sur vous. Dis-moi simplement, je veux la prophétie. Quelqu'un veut la prophétie, il me dit, je veux la prophétie prophète et je veux parler dans ta vie, le Seigneur te délivre dans le nom souverain de Jésus. Donc Amélie, tu peux m'appeler, vous pouvez m'écrire, vous dites simplement que c'est moi, c'est simplement ça, c'est moi prophète, il s'agit de moi. Donc votre maladie vient de Christian, mais écoutez la parole de l'Éternel, si vous craignez le nom de Dieu et si vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus, je vous dis en vérité, avant le 1er janvier 2022, cette maladie disparaît de votre corps. Et vous saurez que vous avez été connecté à un prophète aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que ta main est dans la vie de ton peuple.
Père, je prie que toute personne qui a des maladies dans son corps, que ce soit maladie physique, maladie naturelle, maladie mystique, j'ordonne la délivrance au nom de Jésus. Toute personne qui est liée d'une façon ou d'une autre, Seigneur, par des liens maléfiques, je proclame que cette personne reçoit sa délivrance. Avant le coucher du soleil, tu entendras une bonne nouvelle. Avant le coucher du soleil, j'ai dit, tu entendras une très bonne nouvelle. Le Seigneur te délivrera. On a Belvin Yemeli. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ta gloire et ta grâce reposent puissamment dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ton peuple. Au nom souverain de Jésus-Christ, amen. Sandrine Minjeme dit, je veux la prophétie. Ça, c'est bien. Je veux la prophétie. Haya, je veux la prophétie, c'est... Bon, Sandrine, comment... laissez-moi commencer avec Sandrine. Vous voyez, je voudrais donner des prophéties chirurgicales de délivrance, des prophéties qui apportent la délivrance et la restauration. Pour te dire, si dans ta vie, il y a quelque chose qui a été fait, ok, on parle de Sandrine. Je vais dire à Sandrine que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait une homonyme à elle, qui était une amie à elle, qu'on appelait aussi Sandrine. Une fille qui était votre homonyme, qui était votre amie, quand vous étiez plus jeune, qu'on appelait aussi Sandrine, et qui, dans l'élan de la sorcellerie, vous a volé, arraché un foulard. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Elle a arraché un foulard, votre foulard. Elle est allée faire des imprécations avec que vous ne vous mariez pas, que rien dans votre vie ne fonctionne. Et alors, je suis en train de vous parler, sur le plan sentimental, c'est la guerre. Sur le plan financier, c'est la guerre. Vous êtes en train de prier que le Seigneur intervienne à votre sujet. Que Dieu vous aide. Que Dieu donne un sens à votre vie, à vos finances, etc. Je voudrais prier avec vous. Que ce que votre homonyme a fait contre votre vie, que cela soit annulé au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que ta parole est certaine. Merci parce que Sandrine est visitée, Sandrine est délivrée, Sandrine est restaurée. Et je sais que son année 2022 sera une année extraordinaire dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous avons parlé hier et je suis en train d'expliquer déjà que ce dimanche sera dangereux. C'est un dimanche dangereux. Soyez connectés à ligne, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre. En guerre pour la délivrance. En guerre pour la délivrance. Pour ta restauration, pour que tu arrives. Où Dieu a dit que tu iras, tu dois aller. Les barrières que tes ennemis ont mises devant toi, on va les ôter. Dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Il y a une femme qui est en train de me suivre. On vous appelle Aline. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Aline. Zamara wa anaheslomi, talferaza wa kresmen adenata. Aline, oh mon Dieu, Seigneur merci. J'ai vu cette jeune femme, Aline, je l'ai vue, et j'ai vu comme une calebasse noire, avec son nom dedans, avec des feuilles. Et on a dit que Aline ne va jamais réussir, Aline ne va jamais marquer sa génération, Aline, son nom ne sera point connu, et son nom est dans une calebasse. Je prie que cette calebasse soit cassée, qu'elle soit brisée, dans le nom souverain de Jésus, de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es vivant. Donc ce dimanche, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire va se passer. À partir de 7h30 à la Bible, et les habitants de Berthois, vous m'attendez à 16h à Beaumont, sur la route de Bélabo. Ça sera le culte des plaines, le premier culte des plaines de cette année. Du côté de Berthois, là-bas, Dieu va se manifester avec puissance. Père, merci parce que tu apportes la délivrance aux habitants de Berthois ce dimanche, et ton nom est glorifié. Ta gloire est manifestée, révélée. Toute personne qui me regarde, Seigneur, qui est malade spirituellement, financièrement, qui est malade sur le point sentimental, que Dieu te restaure dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Sois glorifié au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, laissez-moi voir quelque chose ici. J'ai vu une sœur qui dit, elle a dit, c'est Belvin Yemeli, et c'est elle, Seigneur. Et c'est d'elle que tu m'as parlé tout à l'heure. C'est Belvin. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Belvin. J'ai déjà parlé sur Belvin. C'est sur Belvin que je prophétisais tout à l'heure. C'est sur Belvin. Belvin, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Belvin, dites-moi quelque chose. Belvin. Je vous ai vu à l'école avec une fille qu'on appelait... C'est Annie. Oui, c'est Annie. Annie. Belvin, je parle à Belvin Yemeli. J'ai vu une camarade de classe à vous qu'on appelait Annie. Annie. Et j'ai vu quelque chose avec cette camarade de classe. Et que vous preniez comme une amie à vous, comme une sœur à vous, comme quelqu'un de confiance, mais qui
étaient jalouses à cause des grâces que vous aviez à l'époque. Vous ne connaissiez pas le Seigneur. Il y avait des jeunes garçons qui venaient autour de vous et puis Annie appréciait, mais hypocritement, mais qui, après cela, a fait des invocations, des incantations que je ne voudrais plus que cette fille ait cette étoile qui brille. Comment je peux faire pour trafiquer son étoile? Vous voyez, il y a tellement de choses. Le monde est mauvais. Je parlais de la fille qui a pris mon nom. Bon, moi, je suis un homme de Dieu. Elle a dit en pleine église qu'ils ont pris ma photo. Non, qu'ils ont pris un canari. Écoute bien. Parce que quand on parle de la sorcellerie, les gens pensent que c'est le jeu. Tu peux rester là, tu te dis, ah, je suis l'ennemi de qui? Moi, je ne connaissais pas cette fille. Je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Elle a dit en pleine église, ceux qui étaient là en 2014, quand Rema était à élever, s'il vous plaît, écrivez. Dis simplement que j'étais là. Si tu étais là, pendant ce culte-là, dis simplement que oui, j'étais là, je me souviens. Elle a dit qu'ils ont pris un canari avec de l'eau maléfique dedans. Avec de l'eau maléfique à l'intérieur. Et dans ce canari, ils ont fait des invocations pour que je sorte. Et elle dit qu'ils ont vu mon image, j'étais à genoux en train de prier. Et ils ont fait des incantations. Ils ont dit, ok, ils ont voulu lancer un maléfisme contre moi. Mais comme je priais, le canari s'est cassé. Et la fille nous a montré son dos qui était déchiré. Le canari a déchiré son dos et elle dit que ça a fendu le nez de son chef dans la sorcellerie. Et elle dit qu'ils n'ont plus jamais osé appeler mon nom dans la sorcellerie. Quiconque appelle ton nom dans la sorcellerie va mourir. Ça, c'est moi. Oh. Ça, c'est mon témoignage à moi. Donc, ça veut dire que je suis tranquille. Je fais le ministère tranquillement. Il y a des gens qui invoquent mon image dans la sorcellerie, dans la photo. Si ça arrive à moi, combien faut-il raison à toi, une brebis? Il y a des gens qui, quand on leur dit que tu avais une amie qui a pris ta photo, qui allait faire telle ou telle chose, mes amis, les gens jouent avec. J'ai résolu un problème à l'église, ça fait peut-être environ un mois. Une jeune fille, sa grand-mère, c'est-à-dire sa maman l'a prise pour la laisser avec sa grand-mère. Mes amis, avant de donner ton enfant à quelqu'un, laisser ton enfant passer les vacances chez quelqu'un, tu dois connaître quelle est la charge spirituelle négative de cette personne. Quelle est sa charge spirituelle? Ne prenez pas vos enfants pour les donner à n'importe qui. Surtout vous qui envoyez vos enfants au village. C'est là-bas que les complications arrivent. Lorsque spirituellement, vous n'êtes pas assez posé, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça la vérité. Bien-aimé, c'est une réalité que je suis en train de partager avec toi. Les envoûtements, beaucoup de gens comme ça sont envoûtés. Demain, je vais te parler des pactes sataniques. Des pactes sataniques. On va parler de ça demain. Beaucoup de personnes comme ça sont envoûtées. Les malédictions venant des villages. Elle a pris mon nom. On a parlé de cette jeune fille à l'église. Elle dit qu'on l'a donnée à sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est la mère à sa maman. Sa grand-mère appelait son petit frère, donc son grand-père. Et puis, on lavait la partie intime de la fille. On lavait la partie intime de la fille. On lui demandait de laver sa partie intime. Elle lavait sa partie intime dans de l'eau. Et elle donnait ça à son grand-père et il buvait. Sous la surveillance de sa grand-mère. Une histoire vraie. Et je vais dire à l'équipe de Zoé Channel de me retrouver cette histoire. Il faut que je revienne sur ça. Pour que les gens comprennent qu'il y a plus d'hommes méchants que d'hommes bons sur la terre. Il y a plus d'hommes compliqués que de personnes simples sur la terre qu'on voit ici. Donc tu peux te dire, oh j'ai fait quoi à qui? Je ne crois pas, mon ami, pourtant ton nom, on a voyagé avec ton nom loin, juste parce qu'à cause d'une brésilienne, quelqu'un peut t'amener ton nom chez le marabout. Parce que tu as porté un vêtement, bien comme ça, quelqu'un voit ça, il est en train de mourir, jalousie. Il va pratiquer la sorcellerie. Et la jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Après toutes ces pratiques, elle nous raconte, elle est venue à l'église avec le cancer du rein. Finalement, comme elle avait sa partie génitale, le cancer a pris là-bas. Voilà qu'on a sacrifié la partie génitale de cet enfant. J'ai résolu un autre problème et on m'a envoyé l'audio et les vidéos et les photos d'une jeune dame qui est allée à Kribi. Elle est partie à Kribi en vacances et puis elle a rencontré une jeune fille au quartier. Ils sont devenus amis. Hein? Peut-être il faut que dans les directs la semaine prochaine que je vous montre toutes les photos là. Ils sont devenus amis. La fille lui a donné un bracelet. Lui a remis un bracelet. Peut-être il y a même des gens qui ont suivi cette histoire. Parce que j'ai même vu, on a posté ça sur Facebook. Moi, on m'a envoyé ça en direct. Hein? On lui a donné un bracelet. On a donné le bracelet à cette jeune fille de 14 ans. Après, elle a commencé à être malade. Elle dit qu'elle se voit dans l'eau. Elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau. Elle confère. On l'a amené chez un homme de Dieu. L'homme de Dieu a commencé la délivrance. Il a trouvé que c'était mauvais. Il a dit aux parents que je n'en peux plus. Partez avec elle. Sinon, je risque de mourir. C'est un mami Ouata qui est derrière votre fille. On l'a amené chez marabout. La fille, lorsqu'elle urinait, c'était les œufs de poisson qui sortaient d'elle. Le bracelet, un bracelet simple. Pour enlever ça, il n'y a pas eu moyen. Il fallait la scie pour couper avec la scie. On n'a pas pu enlever cela avec la scie.
Et que quand ils ont réussi à couper le bracelet dans l'église, le bracelet est tombé, le bracelet a commencé à sauter. On était, les gens étaient derrière le bracelet, attrapé. Le bracelet a fui. Ils n'ont pas pu brûler ce bracelet. Hein? Je viens avec elle. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, tous ceux qui ont des cas compliqués, s'il vous plaît, je vais prier pour ça en général maintenant. De manière générale. Mais ceux qui peuvent venir dimanche à Yaoundé et ses environs, avec des cas de sorcellerie, je viens dimanche pour ta délivrance et celle de ta famille. On va résoudre ça tout à l'heure. Je vais prier. Je vais prier pour chacun au nom souverain de Jésus. Et le soir, ce dimanche 19 décembre, nous serons à Beaumont pour le culte des plaines à l'Éternel des habitants de Bertois. La délivrance vient dans votre ville. Partagez la vidéo aussi partout dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, je vais prier avec quelques-uns avec vous maintenant. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus-Christ. J'ai vu Zerach qui a dit, papa, je veux la prophétie. Zerach, je voudrais vous faire savoir que, en fait, vous êtes un homme de Dieu. Et vous êtes en train de lutter avec. Vous êtes un homme de Dieu, un prophète. Un prophète hors hiérarchie dans cette nation. C'est ça la réalité, hein? Un prophète de renom. Et je voudrais prier au nom souverain de Jésus-Christ. Que tout ennemi à votre ministère, parce que là maintenant, il y a des forteresses. Vous avez prié, vous faites tout, mais vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et votre destinée, c'est là, dans le service de Dieu. Votre destinée, c'est le service de Dieu. C'est ça, c'est Angèle, Zerach. Votre destinée est dans le service de Dieu. Donc si vous réussissez à percer cette voie-là, je vous dis la vérité, votre vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié. Je prie au nom souverain de Jésus pour Angèle. Seigneur, que le ministère, la grande destinée que tu lui as donnée dans ton œuvre s'accomplisse. Je prie pour toute personne qui est connectée et qui est en train de me suivre. Seigneur, j'ordonne la délivrance. Toute personne dans une prison, j'ordonne la restauration et la délivrance au nom souverain de Jésus de Nazareth. Je prophétise que l'année prochaine, quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Si tu dis Amen, la chose arrive. Au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Je voudrais maintenant prier avec toi. Si tu es malade, touche ton écran, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Touche ton écran. Si tu as une situation compliquée, une situation difficile dans ta vie, touche ton écran. Laisse-moi prier avec toi. Père, au nom souverain de Jésus, je vais prier. Tu vas me rendre témoignage immédiatement. Tu reçois la délivrance maintenant. S'il y a quelqu'un qui est paralysé à la maison, connectez la personne à ce direct. J'ordonne, la personne se lève au nom souverain de Jésus de Nazareth. S'il y a un dossier que vous avez déposé ou bien vous attendez un appel qui va changer votre vie, nous allons prier ensemble. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, je prie au nom souverain de Jésus. Pour toute personne qui est connectée maintenant, qu'une grande grâce repose sur chacun d'eux. J'ordonne la délivrance et la restauration. Toute maladie disparaît, quelle que soit son origine, quelles que soient les conséquences que cette maladie a produites dans ta vie. J'ordonne que les séquelles disparaissent et la maladie disparaît. Dans le nom souverain de Jésus, j'ordonne qu'un miracle extraordinaire touche ta vie maintenant. Quelle que soit la situation que tu connais, dans laquelle tu es, tu étais barricadé, embrigadé dans cette situation. Je commande qu'il y ait une voie de sortie, de délivrance pour ta vie. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que les malades soient guéris. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les paralytiques marchent. Ceux qui ont mal au cœur, les maladies cardiaques. Je commande la guérison maintenant. Les maladies pulmonaires, j'ordonne la guérison. Les maladies du rein, j'ordonne la guérison. Seigneur, je commande à tout diabétique de recevoir la guérison. Au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, les hépatites disparaissent, toute forme de maladie. Ceux qui étaient attaqués, opprimés par la sorcellerie, ils sortent de leur prison dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Père, ceux qui se sont battus et qui se battent et rien ne fonctionne pour leur vie, je commande qu'à partir de maintenant, la prospérité et le succès les accompagnent et tu frayes une voie pour eux, pour chacun d'eux, dans le désert, au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Le Seigneur te guérisse. Le Seigneur te réconforte, le Seigneur te console. Dis Amen trois fois et cela est scellé. Si tu avais une boule dans ton corps, elle disparaît, tout simplement. La boule disparaît. Tu peux tester
S'il y avait une douleur, elle disparaît. Tu testes et le Seigneur t'a guéri. Par son sang, tu es guéri. Au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci parce que tu es vivant. Merci parce que ta main est puissante dans nos vies. Merci parce que ta gloire se révèle dans la vie de ton peuple. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. J'attends ton témoignage, s'il te plaît. Que la femme stérile enfante et que les princes et les princesses soient issus de ses entrailles au nom souverain et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, le 31 décembre, nous avons l'Exodus Night. Ça sera une nuit extraordinaire à la Bire, en Kouaba. Ne manque pas. Toutes nos églises, nous attendons les délégations sur place. Viens recevoir une parole pour 2022. Cette dernière journée de 2021 et cette première journée de 2022, s'il te plaît, viens passer ça dans la présence de Dieu. Viens passer ça en recevant une parole de Dieu, une sémence de la parole prophétique qui va orienter ta vie en 2022. Hier, je vous ai parlé des apôtres, de l'apôtre Pierre qui a posé une question au Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit que Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que tu as réservé pour nous? Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous aurons quoi gagner en te suivant? Et je voudrais parler de ça à quelqu'un ce matin. Dieu va te surprendre. Tu ne peux pas mettre ta confiance en Christ et pour rien. L'apôtre Pierre dit, « Tote apokriteis, ho petros, eipen auto. » Lui répondant, Pierre lui dit, ça c'est Matthieu 19, verset 27. « Idou, voici, emeis afekamen panta. » Voici, nous avons tout quitté, tout abandonné. « Kai ekolu te samen soi, et nous t'avons suivi. » Ti ara estai hemin. Alors, qu'en est-il de nous? Quel est notre futur? Quel est notre avenir? Demain sera comment pour nous? Jésus-Christ leur a répondu. Et je vais dire à quelqu'un, ton avenir est déjà assuré. S'il te plaît, dis amen à cela. Ton avenir est déjà assuré au nom souverain de Jésus. Ton avenir est déjà assuré. Ton avenir est assuré. Oh mon Dieu, les gens-ci. J'ai dit ton avenir est assuré. Pierre dit à Jésus, Seigneur, mon avenir, c'est comment? Notre avenir, on a tout laissé. Si vraiment tu es connecté à ce direct et que tu as mis ta confiance en Jésus, le Saint-Esprit te dit, ne te plains plus pour demain, ton avenir est assuré. Ton avenir, ton lendemain est assuré. Ton année 2022 est assurée. Les combats que tu as combattus ne sont plus tes combats. Le Seigneur Jésus porte sur lui tes combats. Le Seigneur, vous savez, bien-aimé, dans les années précédentes, j'ai annoncé des moments compliqués. Mais 2022, je vous parle encore de la part de l'Éternel. Et Jésus-Christ va répondre à l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que la Bible dit? Hode Iesus eipen autois. Puis Jésus leur répondit. Amen lego humin. En vérité, je vous le dis. Hoti umeis oi akolute santes moi. Vous qui m'avez suivi, enter paligenesia dans cette génération. Hotan katise. Ho uios. Tout anthropo epitronu doxes auto. Lorsque le Fils de l'homme descendra, s'assira sur le trône de sa gloire. Kateseste kai umeis. Vous aussi, vous vous assirez. Et puis, dodeka trône sur 12 trônes. Clinon testas dodeka foulas tout Israël. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, Jésus dit aux apôtres, vous ne m'avez pas suivi pour rien, votre avenir est assuré. Donc, peu m'importe ce qu'on a fait sur toi, peu m'importe ce qu'on a dit sur toi, peu m'importe ton background, peu m'importe les malédictions de la maison de ton père ou de ta mère. Le Seigneur dit que ton avenir est assuré. Il y a un trône de gloire pour toi. Il y a une saison de règne qui est en train de venir devant ta vie. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois en Jésus comme les apôtres ont cru en sa parole. Ils ont cru. Et cette prophétie est la promesse de Dieu pour leur vie. Le Seigneur te donne un trône. Et le trône signifie le règne, signifie l'autorité, signifie la prééminence sur nos ennemis. Dieu te fera régner. Dieu te fera dominer sur ceux qui ont dominé sur toi. Dieu te donne un trône. Ça veut dire c'est la gloire, c'est la royauté. Quand on parle de l'onction de royauté, mes amis, c'est le prestige qui vient de Dieu. Et ce prestige est donné après que l'on ait persévéré et enduré des choses compliquées à cause du Seigneur, des persécutions à cause de Jésus, les moqueries, le rejet, etc. Donc tu ne dois jamais te décourager. Tu ne dois jamais renoncer à ta foi pour Christ. Tu ne dois jamais renoncer à ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Dis-toi, quel que soit le cas, Seigneur, je te resterai fidèle.
quelles que soient les difficultés de ma vie, je te resterai fidèle. Seigneur, je sais que tu me béniras. Je sais que quand le temps sera arrivé, je m'assirai sur un trône et je dominerai. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est un symbole aujourd'hui de domination, d'autorité. Sur ceux qui nous ont dominés auparavant, parce que c'est Israël qui a méprisé les apôtres, c'est Israël qui a persécuté les apôtres, c'est Israël qui a même tué certains apôtres. Mais Dieu dit, je vous donnerai domination sur eux. Sur ceux qui vous ont opprimés, sur vos oppresseurs, je vous donnerai autorité. Sur ceux qui vous ont rendu malheureux, je vous donnerai autorité. Donc si je te dis que Dieu te donne autorité sur l'oppresseur de ta vie, est-ce que tu vas croire? Parce que c'est ça ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit qu'il lève les pauvres, la poussière, la terre et l'indigent du fumier et les fait asseoir à table avec les grands du pays. Que Dieu t'élève, que Dieu te console. Où tu as été méprisé, en Israël où ils ont été méprisés, le Seigneur leur a donné un trône sur Israël. Il a donné au pouvoir sur Israël, il leur a donné autorité sur Israël. Où tu as été méprisé, où tu as été rejeté, Dieu te donne ton élévation à partir de cet endroit d'abord. Avant d'aller vers les confins de l'univers, Dieu te fait d'abord dominer. Devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui t'ont insulté, s'il te plaît, donne-moi un amen, parce que c'est une parole certaine. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le fait aussi. Donc, la souffrance ne durera pas toujours. La honte ne durera pas toujours. La déception ne durera pas toujours. Les pleurs ne dureront pas toujours. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Soyons fidèles au Seigneur. Demeurons forts. Même s'il y a quoi dans ta vie, ne recule jamais. Ne renonce jamais à ton amour pour Jésus. Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Personne ne nous séparera de l'amour de Christ. Donc reste attaché dans ton cœur à Jésus-Christ et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi dans le nom précieux souverain de Jésus. Laissez-moi parler à quelques personnes, donner des conseils prophétiques. Juste des conseils, hein, des conseils prophétiques. Je veux revoir ceux qui disaient, nous voulons la prophétie. Seigneur, je veux donner un conseil à quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, merci, 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 merci. Je voudrais donner un conseil à quelqu'un. Conseil à quelqu'un. Valas Tutina. Valas Tutina. Ok. Valas Tutina, je voudrais vous parler, vous donner un conseil. Vous savez, lorsque vous regardez votre vie aujourd'hui, vous regardez en arrière, vous avez mal. Vous avez mal des erreurs que vous avez commises. Vous avez mal des choix. Des choix que vous avez eu à faire dans votre vie. Et actuellement où je parle, il y a un choix que vous avez fait qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Le Seigneur va frayer un chemin devant vous pour l'année 2022. Le Seigneur me met à cœur de vous dire d'être prudente dans les décisions que vous allez prendre l'année qui est en train de venir. Soyez sélectif et le Seigneur vous bénira. Il vous conduira jusqu'à bon port. Clarisse Onana. Clarisse Onana dit qu'elle veut la prophétie. D'accord. Je vous donne des conseils prophétiques, Clarisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de vous dire que dans le passé, vous avez de mauvais amis. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez presque plus d'amis, Clarisse. Vous n'avez presque plus d'amis à cause des déceptions. Parce que vous-même, vous avez fini par remarquer qu'en fait, dans votre passé, vos amis, je parle des amis filles hein, surtout, vos amis filles ne vous aimaient pas. Et il y a beaucoup de malheurs que vous avez connus à cause de vos relations. Vous comprenez? À cause de ces relations passées. Et le Seigneur m'a montré un jeune homme qu'on appelait Georges. Et à cause de ce jeune homme qui vous avait abordé à l'époque, hein, il n'y a pas eu quelque chose vraiment de très sérieux entre vous et Georges. C'était un dragueur, un gars qui courait après vous. Et il y a une fille que j'ai vue à côté, qu'on appelle aussi Alexandra, qui s'est révoltée juste parce que Georges avait mis son regard sur vous. Et cette jeune femme s'est fâchée contre vous et elle fréquentait les marabouts et elle est allée loin avec votre nom. Je prie que le Seigneur vous préserve et afflige ceux qui veulent vous affliger. 2022, Dieu vous donnera de bonnes personnes. Le Seigneur vous donnera de très bonnes personnes. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Stéphie Kwamo, moi aussi papa. Stéphie Kwamo, écoutez, le Seigneur me dit de vous dire ceci. Vous avez connu trop de déceptions sentimentales. J'ai vu un garçon qu'on appelait Bertrand. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Bertrand. Et ça, c'était comme un projet de mariage. Ça, c'est quelqu'un dans le cœur duquel j'ai vu écrit « mariage ». Mais la relation n'a pas abouti. Le diable s'est attaqué à vous. Le diable a détruit comme il a fait dans d'autres relations. 2022, le Seigneur interviendra pour vous. Il vous fera grâce. Il y a une rencontre extraordinaire. Il y a une rencontre. C'est vrai que je vois un espoir dans votre cœur maintenant concernant votre vie sentimentale. Alors, je vous parle. Je vois un espoir. Je vois un espoir. Je vois comme une joie dans votre cœur. Alors, je parle.
Mais cependant, cette joie, je ne la vois pas durer. Mais le Seigneur vous consolera au courant de l'année qui est en train de venir, 2022. Le Seigneur vous aidera. Queen Annette, un conseil d'Adi, votre fille, fidèle ici en Asie. Queen Annette, que le Seigneur te bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais dire à Queen Annette, il y a un héritage familial que le Seigneur vous a donné. Il y a un héritage familial. Il y a un héritage. Et cet héritage doit être libéré. Je vais prier avec vous maintenant. Dieu va libérer cet héritage familial dans votre vie. Pourquoi je le dis? Parce que avant l'héritage familial, il y a des liens familiaux de mort précoce dans votre famille. Et il y a eu cet esprit-là qui s'est attaqué à votre famille, la mort précoce. Et je parle de la mort précoce, pas seulement physique, hein, mais la mort précoce des destinées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut se lever, il y a un blocage qui arrive et la personne s'éteint, elle ne se relève plus. Et le Seigneur m'a dit de vous dire que ce que votre mère a porté comme héritage et qu'elle n'a pas pu accomplir, vous accomplirez cela dans le nom de Jésus. Vous accomplirez cela. Et souvenez-vous des dernières paroles de votre maman. Les dernières paroles de votre maman. N'abandonne pas le Seigneur, ma fille, tiens bien le Seigneur, reste avec le Seigneur. Vous vous encouragez. Il y a un héritage que votre mère a porté, qu'elle devra accomplir. Mais elle n'a pas pu accomplir cet héritage. Et c'est à vous la responsabilité d'accomplir cet héritage dans le nom souverain de Jésus-Christ. Pascal Djabiapsi. Voilà. Et Pascal me dit qu'il veut que je parle sur son mariage. Je lis d'abord son... Ça, c'est des conseils. C'est même pas la prophétie. Hein. C'est des conseils prophétiques. Papa, parle sur mon mariage maintenant. Pascal Djabiapsi. Il faut dire que, Pascal, il y a eu une période compliquée dans votre vie, une période compliquée d'attaque. Je parle d'attaque et ce que je vois, c'est très, très, très sérieux là. Vous avez connu des attaques sérieuses, des attaques sérieuses, des attaques spirituelles, hein, parce que le diable a voulu vous décourager voyant l'avenir qu'il y a devant vous. Et il faut dire que c'est important pour vous de prendre encore 3 jours de jeûne pour le mariage. C'est important. Parce qu'il y a des ombres de doute, il y a des ombres, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous ne saisissez pas. Alors je parle en ce qui concerne le mariage, il y a du doute, il faut attendre, il faut encore interroger le Seigneur, pour que le Seigneur intervienne, il faut interroger le Seigneur. Donc le conseil prophétique que je donne, c'est d'attendre et de consulter encore bien le Seigneur. Et ça c'est très important ce que je dis. Il y a encore des choses que vous allez découvrir, il y a des choses que vous devez apprendre. Et après avoir appris ces choses-là, vous allez décider si oui ou non vous allez vous marier. Donc ça, c'est très important de le savoir. Il ne faut pas seulement avancer, 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 avancer dans le mariage. Attendez un peu. Il y a encore des choses que vous n'avez pas encore vues. Il y a des choses. Ne courez pas. Il ne faut pas courir dans cette histoire. Parce que je vois une cérémonie comme une dot, comme un mariage traditionnel. Je vois des projets dans ce sens-là. Il faut être prudent. Il faut faire attention. Marthe Bérénice Mbouo. Daddy, j'ai besoin de ma prophétie. Marthe, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour Marthe. Merci parce que ta main est dans sa vie. Marthe, écoutez-moi. Un conseil que le Seigneur va vous donner. Vous aussi, vous étiez avec votre ami. Malheureusement, je n'ai pas mon téléphone ici pour vous avoir en direct. Je vous ai aussi vu avec une amie à vous qu'on appelle aussi Marthe. Et quand je m'appuie sur votre homonyme, Marthe, je me rends compte que, en fait, vous êtes mal entouré. Et vous le savez, Marthe, vous le savez. Parce que alors je parle, vous-même aussi, les amis là, vous avez peur. Vous avez peur des amis. Vous êtes séparés de beaucoup de vos amis. À cause des coups bas, des jalousies que vous avez vécues. Donc tu as besoin de la parole de l'Éternel, des conseils prophétiques pour l'année 2022. Donc Marthe, Dieu me dit de vous dire, vous avez perdu confiance en vous-même. Vous avez perdu confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous-même. Voici l'année qui est en train de venir. Rattachez-vous à Dieu, réconciliez-vous avec votre Père Céleste. À cause des déceptions que vous avez connues dans la vie, au milieu de votre famille, des maltraits, lorsque vous étiez une enfant, les rejets que vous avez subis dans la famille, hors de la famille, le Seigneur me dit que vous avez perdu confiance en vous. Or, il y a quelque chose de grand en vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez besoin de cela, au nom de Jésus. On a Queen Annette qui confirme la prophétie. Papa, tout est vrai sur ma maman et les conseils qu'elle m'a donnés avant de partir. Waouh, gloire à Dieu. Ah, il y a même, on les demande en Allemagne, en allemand. Guten Tag. C'est Vater ou Bater Daddy. Ich bin
Catherine Etonde, studentin, Aber Ish Mokti. Catherine, oh, je ne peux pas prophétiser, je ne comprends pas dans quel langage vous parlez. Je n'ai pas fait allemand, j'ai fait espagnol. Puedes hablarme en espagnol si est possible. Donc, voilà, Karine Kuyate. Karine Kuyate, papa prophétiser, je veux. Non, ce n'est pas Karine Kuyate, laissez-moi parler à Karine Kuyate d'abord. Papa, Karine Kuyate, prophétiser pour mon voyage. D'accord. Karine, regardez, vous savez, ma fille, vous êtes battue par vous-même. Le Seigneur dit qu'il est temps que vous lui fassiez confiance maintenant. C'est le temps de lui faire confiance. Kuyate, Catherine. Vous savez que, en fait, le nom que vous portez, vraiment, le nom que vous portez, vous avez un oncle aussi qui porte le même nom, Kuyate. Hein? Il y a votre oncle qui porte le nom Kuyate. Et quand vous regardez la vie de cet oncle à vous, sa vie n'a pas été une vie exemplaire. Et votre nom est un nom héréditaire, le nom Kuyate. C'est un nom qui monte jusqu'à vos grands-parents. Et l'histoire de ce nom n'est pas bon. Vous avez cherché pourquoi votre vie est bloquée. Parce que le voyage, vous n'avez pas commencé à chercher le voyage aujourd'hui. Non. Catherine, vous le savez. Ce n'est pas maintenant que vous cherchez le voyage. C'est depuis longtemps que vous vous battez. Vous vous battez, vous vous battez. Vous avez cherché l'argent à gauche, à droite, appelé tel, rencontré tel, parce que vous voulez absolument partir. Si vous voyagez sans que la malédiction de votre nom ne soit brisée, vous direz, vous souffrirez, vous reviendrez. Vous-même, vous allez pleurer. Je ne dis pas que vous allez revenir parce qu'on vous a chassé. Vous allez supplier que je vais rentrer au Cameroun. C'est un peu ça la réalité, Catherine. Donc, le nom que vous portez, le nom qu'on vous a donné, vous aviez un oncle qu'on appelait Kuyate Simon. Et ce Simon Kuyate, c'est quelqu'un dont la vie n'a pas été un exemple dans votre famille. Sa vie n'a pas été un modèle. Et à cause de ça, vous souffrez. C'est pour ça que toute votre vie, ça dit que c'est par cause de désespoir. Vous dites, oh, c'est le paradis là-bas. Vous regardez l'Europe comme étant Canaan pour vous. Mais en vérité, tant qu'on ne prie pas pour briser la malédiction du nom que vous portez, vous ne vous en sortirez pas. Et il y a beaucoup de personnes parmi ceux qui sont en train de me visionner aujourd'hui. Vous avez des noms chargés de malédiction. Des noms issus des alliances sataniques et diaboliques. Et tant que la malédiction de ton nom n'a pas été brisée, mais si tu parles, tu ne peux pas. C'est ça que beaucoup vont en Europe et vraiment ils regrettent. Père, je prie au nom de Jésus que la malédiction qui était sur Kuyate Simon et qui est sur ma fille maintenant, que cette malédiction soit brisée, que le lien soit coupé. Je coupe l'influence de ce nom maléfique dans votre vie au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, je commande que vous êtes libérés de cette malédiction et que la bénédiction du nom de Jésus-Christ remplace la malédiction du nom de Kuyate dans votre vie. Le Seigneur vous ouvre la porte, vous partez. Et vous partez, ce n'est pas pour souffrir. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, amen. Stel Jonken, papa, je veux la prophétie. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu étends ta main pour donner ta grâce. Pour donner ta grâce. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es vivant au nom précieux de Jésus-Christ. Merci, papa, j'ai eu mon miracle cette semaine. J'ai accouché d'un million garçon. Merci beaucoup, Daddy. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est le témoignage de Bouende Kameni Justine. Waouh. Bravo, s'il vous plaît. Rendez aussi témoignage. Hein. Quand tu reçois ta prophétie, tu peux écrire. Tu peux écrire pour rendre témoignage. Que Dieu te bénisse. Cécile de Fadimato. Daddy, on a Nathalie Gouffo, merci mon Dieu, la délivrance de mon nom. Voilà. Gloire à Dieu. Wanwan Kalivogi. Je m'appelle Wanwan Kalivogi, je suis en Guinée. Maman est à jour mal aux jambes. Et les jambes s'enflent après chaque séance de travail. D'accord. Et c'est votre maman est à côté de vous. J'ai envie d'opérer un miracle qui va terrifier quelqu'un ce matin. Au nom souverain de Jésus, pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas moi. Mais c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Ce n'est pas moi. Mets ta confiance en lui. Il le fera. S'il vous plaît, c'est votre maman est à côté de vous. Posez une main sur elle. Je parle de Wanwan qui est en Guinée. Posez une main sur elle. Zamariwa Inas Totao. Il y a quelque chose que je cherche.
Posez une main sur votre maman. J'entends quelque chose comme Effigui. Effigui. Malheureusement, je n'ai pas le téléphone, Seigneur. Demande au nom souverain de Jésus-Christ que les jambes de cette femme guérissent maintenant. Qu'elle se lève et qu'elle marche. Qu'elle se lève. Qu'elle se lève et qu'elle marche maintenant. Je commande que les démons qui attaquent ces deux jambes libèrent ces jambes immédiatement. Madame, levez-vous et marchez au nom puissant de Jésus. Wan, s'il vous plaît, écrivez-moi. Vous en direz. Demandez à votre mère si elle connaît quelque chose qu'on appelle Effigui. Effigui. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Effigui. Je veux parler à votre mère. Effigui. Seigneur, merci au nom souverain de Jésus-Christ. Salomon, si Joseph. Salomon, si Joseph. Papa, je veux la prophétie. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour tout le monde qui est en train de me regarder. Merci pour la délivrance. Reçois ton miracle au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Demain, nous aurons un petit message et une séance de prophétie en direct. Tout au long de cette année, de cette fin d'année, je voudrais te donner la pensée de Dieu pour ton année 2022. Donc, tu vas consulter le prophète et tu recevras une parole prophétique qui va t'orienter tout au long de l'année 2022 pour le restant de ta vie. Donc, demain, s'il te plaît, connectons-nous massivement, passons l'annonce autour de nous. Tu as quelqu'un qui veut connaître une orientation sur le plan professionnel, marital, etc. S'il te plaît, connectons-nous demain pour ce direct prophétique, pour les conseils prophétiques en direct. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Les habitants de Yaoundé, 7h30 ce dimanche, ne manque pas. En direct, nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie à la Bire, en Kouaban. Quand vous arrivez en Kouaban, vous prenez un taxi, vous demandez qu'on vous laisse à la Bire, tout simplement. Tout le monde connaît la Bire. Et nous serons le soir à Bertois, à Beaumont, sur la rue de Bélabo, à partir de 16h, pour le culte des plaintes à l'Éternel. Dieu veut te bénir, le Seigneur veut te restaurer. Chacun avait sa bouteille d'huile de faveur. Et sachez que l'huile de faveur n'est pas disponible sur Facebook, c'est dans nos églises. Et en Europe, nous n'avons que Mama Bema, Mama Albertine, Mama Bema, qui est responsable, la représentante, ma représentante officielle là-bas. Donc, pour l'Europe, pour tous ceux qui veulent l'huile de faveur. Donc, par la grâce du Seigneur, je vous donnerai son numéro, son contact, peut-être demain ou après-demain. Que Dieu te bénisse. Quiconque s'est soulevé contre toi est anathème. Leur plan retourne sur eux-mêmes. Et le Seigneur te préserve au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bonne année. Bonne année. Alors, on va prendre ce dernier témoignage. Pascal Djabas, papa, je témoigne que ton Dieu... Papa, c'est où? Papa, je témoigne que ton Dieu... C'est parti, tellement de témoignages. Hein? Que ton Dieu m'a béni d'une moisson de 50 millions francs CFA après ma semence du terrain. Oh là là! Après ma semence du terrain de près de 5 à 6 millions de francs CFA. Waouh! Je vais arriver à la maison d'Adi avec ma dîme et mes sacrifices d'action de grâce avant la traversée le 31 décembre 2021. Waouh! Vous voyez, la prière fonctionne, bien-aimé. Toi aussi, que Dieu te donne la main grâce. Je ne perds pas mon temps avec vous et vous ne perdez pas votre temps avec moi. Personne ne perd le temps de l'autre. Je prie, Dieu m'exauce et Dieu te bénit. Et toi aussi, tu auras un témoignage comme celui-ci, plus grand même que celui-ci au nom souverain de Jésus. Et sois fidèle, oh. Sois fidèle à Dieu après cela. Quand Dieu te bénit, sois-lui fidèle. Que Dieu te bénisse, passe l'annonce autour de toi. Dis qu'on aura des séances en direct de conseils prophétiques demain à partir de 10h. Et comme tu te prépares, le Seigneur te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.